Connaître la nature du sol de son terrain, avec Géoportail. Site gouvernemental, Géoportail créé par l'Institut Géographique National, met à disposition différents fonds de cartes, dont la carte des sols. Cette vitrine, via Internet, met à disposition des données brutes et élaborées sur les types de sols dominants en France. Pour consulter ces données, il faut se rendre sur le site Carte des sols Géoportail. Procédure. Connexion. Localisation de la commune. Je recherche le site Carte des sols Géoportail et je me connecte. Sur cette nouvelle page, j'indique le lieu que je recherche. La carte de la commune recherchée s'affiche alors. Pour me rendre sur la parcelle que je recherche, dans un premier temps, je ferme cette fiche d'information en cliquant sur cet onglet. Apparaît alors les deux couches qui sont en fonction, car les différentes cartes fonctionnent par couche, ainsi là, j'ai en fonction la carte IGN et la carte des sols. Je zoome maintenant vers le secteur de la parcelle que je souhaite analyser. Et je clique sur cet onglet pour obtenir la panoplie des cartes. Quelques cartes apparaissent, mais pour toutes les visualiser, je clique sur cet onglet. Ceci fait, je clique sur la carte « Parcelle cadastrale ». J'ai maintenant trois couches à ma disposition pour analyser ma parcelle, la carte IGN, la carte des sols et la carte des parcelles. Je me rends maintenant sur la parcelle à analyser, la 332. Je clique au centre de la parcelle et les informations cadastrales apparaissent. Je ferme cet encart en cliquant sur la croix. Je clique ensuite sur le bouton des paramètres de la carte des sols. Je clique, si nécessaire, sur cette icône pour déverrouiller la carte des sols. Je clique sur la carte des sols et ensuite au centre de la parcelle, un encart d'information sur la nature du sol apparaît. Le type de sol dominant est bien indiqué ici. Je clique ensuite ici, pour avoir plus de détails sur ce type de sol. Des informations complémentaires détaillées me sont alors données. Toutes ces informations correspondent bien à ce que je peux constater sur mon terrain. Ces informations très importantes indiquent le type dominant de la nature du sol dans une zone définie, toutefois il faut tenir compte que plusieurs types de sols peuvent coexister dans une même zone. N'hésitez pas à visiter notre site, bâtir-sa-maison.net, ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.